parti. Salut les choupinous, ici Edbang en direct de la forteresse de Montmazon et je suis avec Ben de Nota Bene et Kali des Top Over qui sont les hôtes de ce lieu pour ce week-end. Salut. Tu nous racontes, hein? Salut. Bah ouais, tu veux raconter en première? Non, vas-y. Allez. Bah du coup, on est ici à Montbazon, voilà. Il fait hyper chaud. On est tous découlés dans le sueur. On n'a pas du tout pris de coup de soleil, c'est pas vrai. Pas du tout pris de coup de soleil. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on fait un week-end, en fait. Qui est à la base un week-end rencontre abonnée, mais qui maintenant est un peu un festival, en fait. Autour de l'histoire et de YouTube. On fait un espèce de mix. Et du coup, eh bien, dans la forteresse de Montbazon, qui est quand même une vieille forteresse, vous allez le voir, du 11e siècle, eh bien, on organise cet événement où là, actuellement, il y a à peu près 1200 personnes qui sont dehors et où il y a plein de conférences avec des vidéastes YouTube et des conférences Headbang aussi et des conférences de la forteresse. Il y a eu des spectacles de fauconnerie et très bientôt, il va y avoir des matchs de chevaliers qui vont se mettre sur la figure. Ça va être génial. Voilà, du coup on a à peu près 18 vidéastes qui sont là, qui participent activement à la programmation des conférences et des ateliers aussi, parce qu'on a plein d'ateliers sur des petites cabanes, des petits cabanons où les gens peuvent venir et puis on discute, on partage, on échange et on fait des créations comme des dessins, on crée des musiques ensemble. Des tuiles. Il y a des tuiles aussi, ouais. On fabrique des tuiles. Tuiles de bois. Ouais, des tuiles de bois à l'ancienne. On a même un magicien, c'est dire. Donc beaucoup de choses, quoi. Et puis on passe moins sur la gueule, ce qui est quand même très important aussi. Toujours. Ouais, ça c'est cool, ouais. Non, voilà, alors la première question, c'est est-ce qu'il reste des places? Eh ben non. Alors éventuellement pour demain, s'il y en a qui sont dans la région et qui ne savent pas quoi faire, il reste des places pour demain. Voilà, peut-être une centaine de places ou 150 peut-être, je sais pas. On n'a pas forcément la visibilité. Mais il reste des places pour le dimanche puisqu'on on sait qu'on est full aujourd'hui. Et demain, il y a un petit peu de gens qui vont partir, rentrer chez eux. Parce qu'on a du monde qui vient de partout. Donc, c'est ça. Voilà. Et si vous venez demain, bon, bah, vous aurez loupé ma conférence, mais pas celle de Kali, puisque demain matin, elle inaugure la journée avec une super conférence. Voilà. Voilà. Est-ce que tu feras un lancer de couillard aussi? Oui, je vais faire un lancer de couillard, si tu veux bien. Mais on va le faire ensemble parce que On m'a repris plusieurs fois durant le week-end. Hein. C'est pas un lancer de couillard, parce qu'un lancer de couillard c'est un peu prétentieux, ça voudrait dire qu'on soulève le couillard et qu'on le lance. Là c'est un tir de couillard, c'est-à-dire qu'on va tirer avec le couillard. Voilà. Mais est-ce que tu veux qu'on fasse un tir de couillard ensemble du coup? Oui, je suis c'est assez moi qui open. Tire sur la corde. Hein. Ouais. Ouais. C'est voilà. Tiré. Donc oui, je vais faire un tir de couillard. Voilà. Donc un couillard, c'est une arme de siège. Et là on n'en voit bien pas. De le préciser aussi. Voilà. On n'en voit pas, ça n'a rien à voir en fait. Enfin, c'est juste la forme en fait. Et donc, au lieu d'envoyer des boulets sur la muraille, évidemment, on envoie des ballons pleins d'eau, ce qui ça fait splatch. Et c'est, ouais, puis on évite les enfants quand même. C'est une évolution du trébuchet en fait, pour ceux qui ne voient pas vraiment à quoi ça peut ressembler. C'est un trébuchet sauf qu'il y a deux contrepoids, couillard. Donc, alors ici, il y a plein de monde. Donc, il n'y a plus de place pour aujourd'hui. Par contre, il y aura des vidéos à voir en replay. Plein. Tu vas les mettre sur ta chaîne annexe. Ma chaîne bonus, qui s'appelle Nota Bonus, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, on a été vachement inspiré pour le nom de la chaîne. Et donc, on aura toutes les conférences des vidéastes qui seront retransmises dessus. Donc ça va être chouette, hein, parce que là, pendant tout le week-end, on a quand même pas mal de monde. On a Gull de Hacking Social avec V6, on a Dirty Biology, on a Dave d'Histoire Brève, on a Nico Pilote, c'est une autre histoire. Enfin, plein de gens qui sont là. Et on est super heureux qu'ils aient accepté de venir et puis de partager un moment dans la forteresse, quoi. Voilà, alors nous, de notre côté, sur Headbang, donc on anime un lieu où on a fait des conférences en fait toute la journée et la soirée qu'on a filmé. Et donc, dans un premier temps, elles vont sortir sur ta chaîne à toi, comme ça, ça fait un tout cohérent. Et dans un deuxième temps, on les sortira sur la chaîne Headbang. Si tu veux, j'étais pas au courant, mais on va faire comme si, on en avait parlé. Je savais pas non plus en fait, mais je oui. Sais plus. Okay. Oui, on en avait d'accord. Parlé, et comme ça, c'était cohérent. Si ça se trouve, ça va changer, mais vous verrez. Voilà, ouais, ça sera diffusé quoi qu'il arrive. Ça sera diffusé de toute façon quoi qu'il arrive, on va tout partager. Et d'ailleurs, est-ce que ça s'est bien passé, toi, tes petites conférences? Mais c'est vachement bien, il y a eu plein de gens. Pourtant, on a fait, comme d'habitude, des thèmes un petit peu qui peuvent paraître obscurs, mais comme le chauffage au Moyen-Âge. Comme le chauffage au Moyen-Âge. Il y a pas eu un truc sur le cerf-volant aussi, non? Ou c'est plus tard? Je suis en train de spoiler peut-être. C'est demain les cerfs-volants. Ah d'accord. Oui, c'est demain. Bon, je suis en train de spoiler alors. Voilà. Super.
Ouais, ce soir, on fait des animations aussi. Donc voilà, là, il y a ce soir, en fait, le programme. La forteresse étant un lieu particulièrement animé, c'est pareil, la rencontre abonnée, c'est un événement à part. Donc on a décidé ce soir, pour cette partie qui durera jusqu'à minuit, dans un premier temps, on va parler pendant 2 heures du château, de l'histoire du château. Ensuite, comme vous en avez l'habitude, du travail, voire du combat des gens qui animent ce château pour le refaire revivre et souvent le sauver. Hein. D'ailleurs, je dois vous dire que pour ceux qui ont suivi Edbang à Veuil, eh bien, le château a subi des dégâts. Comme vous le savez, il n'en reste pas grand-chose. Suite aux inondations, il y a une grosse fente qui est apparue dans le porche principal, ce qui met vraiment en danger le lieu. Voilà, on vous donnera des nouvelles si on a des nouvelles plus que ça. Et donc, ensuite, on parlera de l'histoire au Moyen-Âge, tout simplement de la vie quotidienne, puisqu'il y a plein de gens ici qui savent bien raconter la vie quotidienne, et on les a écoutés, c'est chouette. Donc du coup, on va vous faire partager ce moment-là. Et puis ensuite, on finira avec 2 heures où d'habitude, on vous fait un débat, une discussion autour du dev, autour des news sur Internet ou informatique. Et là, ils vont, Mof et Lolo vont nous parler d'histoire, tout simplement, proposer un petit peu quelques petites choses, de la disquette à la bande magnétique, des petites choses comme ça. Voilà, le programme de ce soir, c'est celui-là. C'était le thème imposé, l'histoire, voilà. Voilà, oui, c'est ça. voilà. Donc, en fait, notre idée maintenant, ça va être de passer... on va tous partir, tous les trois. Voilà, on était heureux de vous voir. C'était super sympa. Ou pas, parce qu'on vous voit pas. On est resté hyper longtemps, du coup, je pense qu'on a besoin de boire un coup, là. Ouais, un peu. Voilà, c'est ça. Et puis, bon, on va attendre, on va dire, les gens du château qui sont actuellement en train de courir partout. Donc, il se peut qu'il y ait un petit like. Et si vous voulez courir vite aux autres obligations, je vais tenir... Du coup, on va aller se battre, non ? Oui. Regardez les gens se battre. Voilà. Ah oui, maintenant c'est du béour. C'est du béour là. Ils sont peut-être en train déjà de se taper dessus à l'épée. Combat médiéval en armure avec des armes émoussées et ça tape fort. C'est très spectaculaire. C'est un petit peu un sport extrême qui mélange sport extrême moderne avec du coup des armures du 13e, 14e siècle. Donc c'est génial et on va aller voir ça parce qu'on aime bien le pain et les jeux. Voilà. Et pour ceux qui veulent le découvrir, tu as fait un reportage. Oui, j'ai fait un reportage sur le Béour, donc vous pouvez aller le voir, cliquer. Et au-delà de ça, pour ceux qui seraient nostalgiques du coup d'avoir loupé cette soirée avec du Béour, sachez qu'à Montbazon, c'est le 11 septembre, il me semble, il faut se renseigner quand même sur le site et dans les news, mais sur le site de la forteresse de Montbazon, est annoncé pour le 11 septembre un tournoi de Béour, et un gros tournoi, hein, puisque c'est un tournoi annuel, où il y aura sûrement les Russes, les Ukrainiens, les Anglais, toutes les grosses équipes. Ça va taper sévère, et ça va être voilà, super distrayant. Donc voilà, pour ceux qui veulent, Montbazon, c'est à 15 minutes au sud de Tours, et c'est vraiment trop chouette. Ah, il se donne des coups de boule avec Léo, moi j'adore ça. Oui, des coups de boule, on aime bien. Assez impressionnant, ouais. Vas-y, bam, voilà. Et en même temps, on dirait des chats quand ils se battent, voyez, comme les chatons. Voilà. Ok, bon, mais moi je vais attendre les gens. Ils sont parés, bah, c'est cool. Ah bah voilà, bah, on va vous laisser en bonne compagnie, du coup. Bien, au revoir voilà. Tout le monde. Voilà. Au revoir. Passez une bonne soirée. Et à demain, du coup, non ? Bah ouais, à demain, voilà. Pour ceux qui viennent. Allez, salut. Voilà. Salut. À tout à l'heure.